The honorable member, l'honorable député de Lac Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. On se penche maintenant sur ce fléau dans notre société, qu'est le tabagisme, autrement dit sur ce problème qui plane sur notre société à plusieurs niveaux depuis longtemps, Monsieur le Président, depuis des décennies, et un problème qui s'est accaparé au fil des années d'importantes ressources financières et autres dans cette lutte contre le tabagisme. Alors, le tabagisme, Monsieur le Président, c'est un enjeu assez complexe et toute cette question de la contrebande de tabac est également très complexe. C'est un enjeu qui touche la santé, évidemment, Monsieur le Président. On sait que le tabagisme a un effet néfaste sur la santé des gens et même au fil des années, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le fumeur qui en souffre de conséquences graves, mais ça peut être les gens dans son entourage. Et évidemment, il s'agit de conclusions qu'on a pu tirer suite à des recherches qui ont eu lieu à travers les années. C'est très intéressant à noter, là, je vais prendre une petite tangente, Monsieur le Président, mais c'est très intéressant à noter que lorsqu'on parle de l'approche que nous avons prise vis-à-vis le tabac et les effets sur la santé du tabac, les études qui ont été effectuées dans les années 60 et 70, on se sert un peu du même modèle maintenant pour lorsque on fait face à d'autres produits qui peuvent être nocifs pour les humains et lorsque, par exemple, un fabricant d'un produit potentiellement nocif nous dit qu'il n'y a aucune preuve que le produit est nocif, on cite souvent le cas du tabac et du fait que dans les années 60-70, les compagnies, les fabricants de tabac nous disaient bien les études ne sont pas conclusives. Alors, c'est devenu... cette expérience c'est inscrite dans notre façon de voir les choses un petit peu. Alors, c'est un enjeu qui comporte des conséquences vis-à-vis la santé, mais aussi le tabac, et surtout le tabac de contrebande, a des impacts économiques assez importants, surtout dans les réserves autochtones, parce que, comme vous savez, Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a des criminels qui sont impliqués dans le trafic de tabac de contrebande, mais aussi on remarque de plus en plus que dans les réserves, il y a des gens ordinaires pour qui travailler dans une usine de tabac, dans une réserve autochtone, que ce soit une usine qui opère dans le cadre de la loi ou que ce soit une usine un peu cachée dans le bois, ces gens-là ne sont pas des criminels, ce sont des gens ordinaires qui veulent gagner leur vie et qui pensent peut-être pas... ils réfléchissent peut-être pas trop tous les aspects légaux entourant la fabrique de tabac pour laquelle ils travaillent. Mais le problème vis-à-vis de nos réserves autochtones qui sont très impliquées dans la fabrication de tabac, que ce soit sur une fabrication légale ou illégale, c'est que ces réserves deviennent de plus en plus dépendantes du commerce de tabac, de la fabrication de produits de tabac, et ce qui les laisse un peu vulnérables, parce qu'à la longue, je crois que c'est assez évident pour la plupart de ceux et celles ici en chambre, qu'à la longue, la consommation du tabac va aller en diminuant. Alors, si une réserve autochtone devient dépendante sur l'industrie du tabac, qu'est-ce que ces gens-là vont faire pour gagner leur vie une fois que cette industrie qu'elle disparaisse si on puisse en arriver à ce point-là. Alors, il y a des impacts, il y a un aspect santé, un aspect économie. Évidemment, il y a un aspect financier pour l'État parce que
l'industrie du tabac en général génère des recettes assez importantes pour le fisc, pour l'État. Et donc, lorsqu'il y a un marché noir qui existe et qui prend de l'ampleur, bien, ça vient gruger dans les revenus des gouvernements. Et on peut voir que presque le tiers, selon certains experts, presque le tiers du marché canadien du tabac, c'est sous la forme du marché noir du tabac. Et par exemple, il y aurait à peu près 300 cabanes à cigarettes au Canada, c'est-à-dire des cabanes que l'on voit des fois dans les réserves autochtones au bord de la route, là, qui vendent des cigarettes non seulement à des autochtones qui ont droit d'en acheter sans payer les taxes, mais à d'autres gens qui passent par la réserve pour se procurer ces produits sans taxes. Et donc, il y aurait à peu près 300 cabanes à cigarettes et 50 fabriques illégales au pays, fabriques de cigarettes. Et certaines de ces fabriques sont quand même assez importantes, sont de taille assez importante. Et évidemment, il y a le volet crime organisé, Monsieur le Président, parce que lorsqu'on parle de la contrebande, du trafic de contrebande de tabac, bien, c'est pas seulement le tabac qui est impliqué. C'est une activité qui attire des membres du crime organisé qui sont impliqués dans beaucoup d'autres choses, y compris le trafic de drogue, y compris le trafic d'armes illégales. Alors, c'est un fléau à plusieurs niveaux, Monsieur le Président. Et aussi, il y a un autre aspect qui est un aspect qui occupe beaucoup de place dans notre fédération, parce que nous sommes une fédération, une des fédérations les plus évoluées au monde. C'est la lutte contre le trafic de contrebande de tabac implique pas juste un niveau de gouvernement, mais au moins deux niveaux de gouvernement. C'est-à-dire que le fédéral doit travailler avec les provinces et surtout les forces policières des provinces pour tenter de bien s'attaquer à ce problème. So, Mr. Speaker, this brings us to Bill S-16. And let's talk a little bit, Mr. Speaker, about what S-16 does. First of all, it brings the issue of contraband tobacco into the criminal code. Now, a lot of people listening at home are probably surprised that selling contraband tobacco is not a criminal code offense at the moment. And that's because, I mean, people know that it's you know, when we shouldn't be doing this and that there are consequences, legal consequences, but those consequences at the moment, Mr. Speaker, are not under the criminal code. They're under the Excise Act. So there are fines under the Excise Act for engaging in the illegal sale of contraband tobacco. But S-16 will add offenses under the criminal code. So they will the bill will add the offenses of selling, offering for sale, transporting, delivering, distributing, or possessing for the purpose of sale of a tobacco product or raw leaf tobacco that is not packaged unless it is stamped. So these are the new offenses that will be created under the criminal code. Now, the point here is, first of all, it will allow the government to make it a more serious offense to engage in the sale of contraband tobacco, but it will also give prosecutors flexibility. So a prosecutor will be able to decide whether to prosecute under the Excise Act, which I would imagine means that under that act, the burden of proof may not be as high, or the prosecutor could decide to prosecute under the criminal code, which carries more severe offenses, obviously, Mr. Speaker. So the bill is providing some more flexibility to prosecutors. Now, it will also empower all police forces to combat tobacco smuggling, because right now only the RCMP can get involved under the Excise Act, but if the offense is under the criminal code, this means that police forces, provincial and municipal police forces, will be able to enforce the Act. And, of course, the bill makes consequential amendments to the definition of Attorney General so that both the federal government and the provinces can prosecute through their offenses through their Attorney General. Now, the Act does introduce minimum sentences for repeat offenders.
where there's a high volume of contraband tobacco involved. And when we talk about a high volume, we mean under Bill SC16 over 10,000 cigarettes or over 10 kilograms of other tobacco products. Now, these minimum sentences will apply only where prosecution is on indictment versus as a summary conviction. What's interesting is that the minimum sentence will only kick in on a second conviction, and the sentence will be 90 days on a second conviction, 180 days on a third conviction, and 2 years less a day on subsequent convictions, which I imagine means that the time served would be not in a federal penitentiary but in a provincial jail. So, as I say, the minimum sentences will apply only where the first offense was under the criminal code, so not under the Excise Act, for example. Now, as you know, Mr. Speaker, the Liberal Party is generally reticent to support the legislation that has minimum offenses, minimum sentences, because experts have told us that these simply do not work in terms of making society safer. In this case, we're willing to consider the minimum sentence because it would not apply on a first criminal code offense. But we do want to study the matter a little more closely in committee, bring in the experts to tell us what the impacts will be of these minimum sentences. And for example, we have to be careful that that these minimum offenses don't they catch the serious criminal and not, for example, a young Aboriginal person who is perhaps not 100% of what he or she is doing and is acting as a mule transporting cigarettes, maybe even without their knowledge. So we want to keep Aboriginal youth out of jail, and we don't want to see them go down that road if it can be avoided, Mr. Speaker. So the fact that the minimum sentence does not apply on the first offence is something that allows us to consider supporting this bill throughout the process, but that certainly allows us to vote for it to send it to committee. So we also want to study the fact that, you know, we're basically in some ways duplicating offences because there are fines under the Excise Act. So are we just duplicating for the sake of effect, maybe public relations effect, or will this bill really be effective? But we can only tell once we bring in the experts. And I would also point out that there's an interesting contradiction in the bill, because usually under the criminal code, if you commit an offence, but you'd committed a prior offence, but the prior offence was committed more than 10 years ago, in other words, 10 years have elapsed between offences, generally the court does not consider the first offence in its decisions if that first offence, as I say, was committed more than 10 years ago. This is not the case with S16. First offences, even if committed 10 years prior, will still enter into the consideration of the court's decisions, Mr. Speaker. So we want to look at that. We'd like to know why the contradiction exists in this case. So, Monsieur le Président, le gouvernement préfère parfois des solutions faciles, les recettes simples. Parfois les gestes à caractère plutôt symbolique qui communiquent au public une image d'un gouvernement qui agit avec fermeté. Mais même si les solutions proposées sont parfois mal conçues et simplistes vis-à-vis des enjeux qui exigent des réponses un peu plus complexes et nuancées. Alors on doit en faire plus que tout simplement de se reposer sur le projet de loi S16, Monsieur le Président. Par exemple,
il y a au moins trois choses qu'il faut faire en plus d'adopter ce projet de loi ou de déposer et débattre ce projet de loi. Premièrement, ça prend une campagne de publicité soutenue, bien financée par le ou les gouvernements. Je crois que le gouvernement conservateur s'est déjà engagé en ce sens, mais ça prend une campagne de publicité, Monsieur le Président, pour conscientiser la population, les gens, au fait que aller passer à travers une réserve et arrêter à une cabane à cigarettes pour se procurer un carton de cigarettes sans taxe, ce n'est pas un geste isolé, c'est un geste qui s'inscrit dans une activité qui, comme j'ai mentionné au début de mon discours, qui implique le crime organisé à plusieurs niveaux. Et je pense que si on communique ce message à la plupart des gens, ils vont peut-être y penser à deux fois avant de se procurer des cigarettes, même si ils risquent d'en profiter en raison du fait que les taxes ne s'appliquent pas. Alors, je pense que la plupart des gens ne veulent pas contribuer au problème du crime organisé. Si on leur explique qu'en achetant des cigarettes de contrebande, ils contribuent à l'essor, si vous voulez, du crime organisé, un bon nombre de gens vont se désister d'acheter ces cigarettes à ces points de vente-là. Alors, ça, c'est une chose qu'il faudrait faire. Deuxièmement, il va falloir investir dans l'application de la loi. Je sais que le gouvernement a annoncé qu'ils allaient créer une unité spéciale au sein de la GRC pour lutter contre le trafic de contrebande. Et j'espère que ça sera un financement assez adéquat et que ça soit un financement soutenu à long terme. Mais il y a aussi le problème du poste frontalier de Messina Cornwall. Comme vous savez, Monsieur le Président, ce poste frontalier qui était situé, je crois, sur l'île Cornwall, jusqu'à un certain moment, a été déplacé du côté canadien du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire à Cornwall. Et là, le gouvernement serait en négociation avec les États-Unis pour peut-être déplacer ce poste frontalier de Cornwall au côté américain du fleuve, c'est-à-dire à Messina. Et plusieurs observateurs, plusieurs parties prenantes, que ce soit l'industrie du tabac ou le gouvernement de l'Ontario, auraient des réserves face à un tel déplacement du poste frontalier. Alors, je demanderai au gouvernement de bien réfléchir à ce qu'il tente de faire au niveau du déplacement du poste frontalier et de laisser le poste frontalier du côté canadien du fleuve. Comme j'ai mentionné, c'est même le gouvernement de l'Ontario, la ministre Madeleine Meyer en particulier, qui demande au gouvernement de ne pas déménager le poste frontalier. Et également, il faudra que le gouvernement, et j'ai mentionné au tout début de mon discours que c'est un dossier qui implique, qui demande une collaboration du fédéral et des provinces, mais il faudra que le gouvernement travaille avec les provinces, notamment l'Ontario, parce que l'Ontario, par exemple, ne fait pas actuellement de monitorage des fermes qui produisent la feuille de tabac, ce qui ouvre la porte au détournement de cette matière première, si vous voulez, Monsieur le Président, vers la production illégale de cigarettes et d'autres produits de tabac. Alors, c'est juste pour vous dire, Monsieur le Président, et communiquer à mes collègues des autres partis, que nous allons appuyer ce projet de loi en deuxième lecture et j'anticipe pouvoir étudier la question à l'automne, j'espère, s'il n'y a pas de prorogation du Parlement. Et c'est à ce moment-là que nous allons poser des questions assez pointues aux experts qui vont témoigner devant le comité. Merci, M. le Président.